Les Étoiles du Commerce, édition 2019. Nous continuons à aller à la rencontre des artisans, des commerçants, ceux qui font vivre l'agglomération bordelaise. On est au Vintage Café avec Mathieu. Merci de nous accueillir chez vous. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Mathieu, ça s'appelle le Vintage Café parce que c'est le Vintage Group. Tout est vintage un peu ici. Eh bien ici, ouais, c'est de la déco chinée récupérée ou du vieil artisanat retrouvé, comme des chaises avec des galettes thermomoulées, des plaques en métal à l'ancienne. Des vieux appareils voilà. À bande. Ça, c'était à grand-mère. Ça c'était à ma grand-mère, ça, voilà, exactement. Ouais, donc, oui. Vraiment. Et alors, c'est hyper intéressant parce que Vintage Group aujourd'hui, tu es à la tête du Vintage Group avec toute une équipe. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent. Oui. Mais ce café, ça a été le premier? C'est le premier ici depuis début 2012. Donc, depuis début 2012, les choses ont bien avancé. C'est quoi l'esprit vintage de ce lieu et des autres? Alors, l'esprit du lieu et des autres établissements du Vintage Group, c'est la convivialité, la qualité dans les produits, dans l'environnement et la bonne ambiance, tout simplement, pour se retrouver, passer des bons moments entre amis, boire des coups, manger, grignoter quelque chose. Voilà, passer du bon moment. Exactement, parce que Mathieu, il est patron, il gère des lieux de restauration, des lieux où on peut boire un verre, mais la déco, hein, c'est quelque chose qui est hyper important. Alors ouais, moi ce qui me plaît le plus, c'est vrai, dans mon métier, c'est vraiment la création d'établissements, l'agencement, la décoration et rechercher justement ce qu'on ne voit pas forcément ailleurs et que ça crée un espace convivial et atypique. Mmh. C'est que ça bosse, hein, parce que là, on est dans le bar, mais les bureaux sont au-dessus. Juste au-dessus. Allez, santé, merci pour l'accueil. Santé, merci.